que la cérémonie s'est bien déroulée dans les règles de l'art. Donc c'est tout à l'honneur de la Sénat. Ensuite, nous avons été, le soir a voulu que nous soyons dans la cinquième position. Vous savez, si Dieu avait des mains, il n'en aurait pas plus de cinq. Les hommes qu'il a créés en ont cinq et l'homme a réalisé tout de ses cinq doigts. Et donc, comme un potier, nous allons de nos cinq doigts polir le pot parlementaire. Et le credo avec nous, c'est de légiférer autrement. Donc, vous verrez un parlement d'une autre couleur, d'un autre style, d'une autre efficacité au service du développement. Donc, pour nous, le sort a été de notre côté. Rendez-vous sur le terrain où les soldats et les Amazones de l'UDBN vont démontrer qu'ils ont été suffisamment rodés. Et les chefs de bataillon sont là, armes au poing. Et vous verrez au soir du 8 janvier que l'élection de 2023, ce sera une élection de grosse surprise. Ça va être un vrai classico pour ceux qui se croient mastodontes. Ils vont faire le match jusqu'à la dernière seconde. Vous allez jouer jusqu'au bout, ce sera facile pour personne. Et nous, on ne laissera, il n'y aura pas de grands joueurs devant nous. On va jouer crânement notre chance et nous allons gagner. La 9e législature du Parlement béninois ne se fera pas sans l'UDBN, le parti au symbole du maïs nourricier.